Le 24 février dernier, Plastique Bertrand fêtait son 69e anniversaire. Déjà. Toutefois, les années semblent n'avoir aucune prise sur le chanteur, musicien, auteur-compositeur, producteur, éditeur et présentateur de télévision belge, principalement connu des mélomanes grâce au titre « Ça plane pour moi », sorti en 1977, qui est plus en forme que jamais. En mai dernier, au terme de la tournée star des années 80, l'artiste s'est rendu en Asie, où il était attendu afin d'assurer un certain nombre de concerts. De retour en France, le papa de Liaud et de Joy sera sur scène tout l'été, pour se produire dans des châteaux aux côtés de Julie Pietri, Liaud, Jean Schultes ou encore Evan Ogeli. Pour retrouver son public, la troupe se rendra dans plusieurs coins de l'Hexagone, notamment dans l'Aude et en Provence. Dans ce contexte, l'heureux grand-père d'Isa et de Billy s'est livré en exclusivité auprès de Gala. FR, ce vendredi 14 juillet. Au cours de l'entretien, le chanteur nous a notamment fait une étonnante confidence, il n'habite pas avec son épouse. Supérieur à Lio, Sloan, Julie Pietri. L'évolution physique des stars des années 80 Plastique Bertrand, un conjoint, dans une tournée, c'est compliqué, j'ai plusieurs lieux de chute, partagés entre Paris, Casablanca, et Bruxelles. Mais ma femme, Evelyne, ne me suit jamais, nous a, en effet, confié Plastique Bertrand, qui est en couple depuis plus de 4 décennies. L'instant d'après, le musicien a estimé que c'était la clé du bonheur. Dans le même contexte, l'interprète de Stop ou encore, Tout Petit La Planète, Pogo Pogo, Chalalalali ou encore Le Petit Tortillard a précisé que sa compagne était au courant de « ses activités » et de « ses voyages », mais également qu'elle lui était d'une aide précieuse. Les stars qui font beaucoup de tournées le savent, un conjoint, dans une tournée, c'est compliqué, nous a ensuite expliqué Plastique Bertrand, au moment d'évoquer la raison pour laquelle lui et sa compagne, qui a travaillé pour un trader japonais à New York, vivaient séparés. Tout le focus se fait sur l'artiste, donc ce n'est pas agréable pour la personne qui est à côté. C'est agaçant et c'est un manque de respect. Et de conclure en ces termes, qui laisse entendre que les amoureux sont sur la même longueur d'onde, on a décidé, dès le départ, qu'il ne fallait pas qu'on mélange ma carrière avec notre vie de couple. Après 40 ans ensemble, il semblerait que ce mode de vie leur réussisse. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Sandrine Tézilla Panoramique.